Et bonjour à tous, ici Myrm Fourmi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, le top 5 des fourmis les plus incroyables. Et on va commencer tout de suite avec Cephalotes varians. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette fourmi a une tête plate. Donc toutes les fourmis de l'espèce n'ont pas une tête plate. Il y a seulement les soldats qui possèdent cette caractéristique, donc les majors. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'elles ont un exosquelette plus blindé un peu que d'autres fourmis, surtout sur le thorax et sur les pattes. Et ce qu'on peut voir sur l'image qui va apparaître maintenant, c'est que en fait, elles vivent dans le bois. Donc on va appeler ce type de fourmi charpentière. Parce que du coup elles vont creuser dans le bois pour faire leur galerie et vivre dedans. Donc elles vont faire ça dans du bois mort. Et aussi ce qu'on peut voir sur cette image, c'est que du coup ces majors vont être utiles pour bloquer les entrées du nid, qui font à peu près la même taille que leur tête. Et du coup ça peut protéger le nid contre d'éventuels envahisseurs. Myrmecocystus mimicus. Comme vous pouvez le voir, donc sur les fourmis qui sont accrochées au plafond de ce nid, elles ont un énorme abdomen rempli de miel. En réalité, c'est leur jabot social qui est étendu à très grande échelle. Donc le jabot social, toutes les fourmis en possèdent. En fait, c'est une sorte de deuxième estomac. Et quand une fourmi va manger quelque chose, elle va le stocker dans son deuxième estomac. Et en fait, si notre fourmi a faim, elle va s'approcher et elle va régurgiter la nourriture qu'elle a dans son jabot social dans la bouche de l'autre fourmi. C'est pour ça qu'on l'appelle le jabot social, parce que c'est l'endroit où on stocke la nourriture pour les autres. Mais du coup, certaines espèces n'ont pas ce truc, ce jabot social, mais c'est que les rares espèces. Et on voit quand même que leur abdomen est plus gros et qu'il y a du liquide dedans, parce que ça prend pas mis de la place. Mais du coup, sur les espèces de Myrmecocystus, elles ont certaines des ouvrières possèdent dans leur ADN en fait le fait que leur jabot social peut s'étendre 10 fois plus qu'une fourmi normale. Et du coup, bah, les fourmis qui possèdent cette caractéristique, elles sont vouées toute leur vie à rester accrochées au plafond, à stocker de la nourriture. Donc au final, ça devient un peu des frigos sur pattes. Mais c'est leur source principale de ce qu'elles se nourrissent en fait, bah, c'est un peu la chose qu'elles vont protéger au maximum, parce que c'est leur réserve de nourriture. Et en plus, comme c'est accroché au plafond, ça prend moins de place dans les nids. Et du coup, elles peuvent mettre une autre activité en dessous. Et au-dessus, il y a ces frigos où elles peuvent se servir directement. Odontomachus. Donc, tous les genres d'Odontomachus, toutes les espèces d'Odontomachus, parce que Odontomachus, c'est un genre, possèdent la caractéristique d'avoir ces longues mandibules qui peuvent être très écartées, donc à peu près plus de 180 degrés. Comme vous pouvez le voir sur l'image. Et en plus, du coup, à l'intérieur de ces mandibules, il y a des microfils qui sont directement reliés au cerveau par une grande concentration de nerfs. Et du coup, dès que quelque chose effleure ces fils, l'information va passer au cerveau et les mandibules vont se refermer en moins d'un millième de seconde. Donc c'est le mouvement animal le plus rapide qui a jamais été mesuré sur Terre. Et donc ça, ils l'utilisent pour la chasse, donc pour attraper des proies ou, et les découper pour les plus molles, ou sinon juste pour celles qui sont assez dures, ça les sonne. Et ils peuvent aussi du coup l'utiliser comme moyen de défense. Donc en fait, ils vont baisser leur tête vers le sol et du coup les fils vont entrer en contact avec le sol, du coup ça va refermer les mandibules et avec la puissance du choc, ça va les faire éjecter à peu près 1 mètre de haut.
Donc c'est l'équivalent comme si un adulte, un humain adulte sautait, faisait un saut de 100 mètres de haut. Donc c'est assez impressionnant. Arpeggiatos saltator. Arpeggiatos saltator, c'est mon espèce préférée, bien que je ne l'ai jamais eu en élevage, mais car elle a beaucoup de particularités assez intéressantes. Donc je vais essayer d'être assez bref, même si ça va être un peu plus long que les autres espèces. Donc premièrement, ce qu'on peut remarquer sur l'image, c'est qu'elle a déjà des énormes yeux qui sont en plus dirigés vers l'avant, contrairement à beaucoup de fourmis qui ont plutôt les yeux dirigés vers le haut, enfin pas vraiment vers le haut, mais ils sont plutôt vers l'arrière de la tête, on va dire. Alors que là, ils sont vraiment dirigés vers l'avant, ce qui indique qu'elle est une prédatrice parce qu'elle va vouloir viser ce qu'elle a devant elle. En plus, ce qu'on peut voir aussi, c'est ses longues mandibules qui, du coup, lui servent pour la chasse et qui, un peu comme les œufs d'Entomacus, peuvent se refermer assez rapidement, mais pas aussi rapidement que les œufs d'Entomacus, mais quand même assez rapidement. Et du coup, ça leur permet d'attraper des proies. Et du coup, pour chasser, en fait, elles vont s'approcher furtivement et en fait, après, elles vont sauter sur leur proie. Donc sauter au sens littéral, parce que oui, ces fourmis peuvent sauter. Donc normalement, elles peuvent sauter au maximum de 20 cm de haut, mais comme il faut qu'elles atterrissent précisément sur sa cible, il faut pas non plus que le temps qu'elles sautent, sa cible ait eu le temps de bouger. C'est pour ça qu'elle va sauter sur sa cible seulement à partir qu'elle a une distance de 5 cm au minimum. Donc au maximum, pardon. Donc, elle possède un dard venimeux sur son abdomen qu'elle va s'en servir pour du coup achever sa proie une fois qu'elle l'a attrapée. Donc, en passant son abdomen sous son corps et en piquant sa proie. Donc, ça va totalement la tuer. Je crois que ça peut aussi être douloureux pour un humain, mais ça, je suis pas entièrement sûre. Et du coup, en plus de tout ça, la dernière caractéristique qui est très intéressante, c'est que cette espèce, attention, n'a pas de reine. Oui, vous avez bien entendu, cette espèce n'a pas de reine. Donc comment est-ce possible? En fait, toutes les ouvrières ont la possibilité de se reproduire. Mais en fait, il va y avoir des sortes de joutes, donc des petits combats. Et l'ouvrière qui va gagner cette joute va devenir, jusqu'à qu'elle meure, la reine du moment. Donc elle va pondre et elle va émettre une phéromone spéciale qu'elle peut émettre qu'à ce moment-là, en fait, elles vont pas l'émettre à un autre moment, qui va inhiber le besoin de pondre de toutes les autres fourmis de la colonie. Et dès qu'elle meurt, du coup, les ouvrières vont se battre pour une nouvelle reine et ainsi de suite. Donc ça, c'est un comportement c'est intéressant. Donc beaucoup de gens qualifient cette espèce, donc, et aussi toutes les autres espèces d'Arpeggiatos, comme les fourmis les plus intelligentes, car du coup elles sont des prédatrices, elles ont ce système de joute un peu. Donc je les considère pas forcément comme plus intelligentes que les autres, mais elles sont toutefois très intéressantes et pour toutes ces caractéristiques, c'est pour ça que je les ai mis en deuxième place. Donc j'hésitais entre les Odontomacus et celle-ci pour la deuxième place. J'ai mis celle-ci. Peut-être que le fait que ce soit mon espèce préférée a un peu influencé. Mais du coup, je pense qu'on va faire aussi d'autres vidéos sur cette espèce si ça vous intéresse. Donc dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse des vidéos sur cette espèce. Et on va passer tout de suite au grand gagnant de ce top, Dorylus elvolus. Dorylus elvolus, donc là vous voyez la reine. Donc déjà, je pense que quand vous voyez ça, je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai mis en première place. Donc déjà, c'est la plus grande espèce de fourmi du monde.
Donc elle fait là pour la reine, hein, elle fait un bon gros 5 cm. Vous pouvez vérifier sur votre règle, c'est assez gros quand même. Et du coup, en plus de ça, ce qui fait que pourquoi je l'ai mis en première place, il y a du coup tous les arguments que je vais vous citer maintenant. Premièrement, cette espèce, elle peut avoir des colonies de plusieurs millions, donc 3 millions, 4 millions, la plus grande je crois c'est à peu près, à je crois 5 millions, mais ça je suis pas du tout sûr, mais je crois. Ensuite, en plus de ça, pour nourrir du coup toutes ces ouvrières, il faut de la bouffe. Donc les ouvrières en fait elles vont partir par millions, faire des grandes colonnes qui vont ratisser toute la jungle autour, la savane, enfin en tout cas elles vivent en Afrique, enfin je sais pas exactement où en Afrique. Du coup elles vont ratisser tout ce qu'elles peuvent trouver sur le passage, donc tout ce qui est végétal et tout, plus tout ce qui est animal, donc un petit rongeur, même un bébé humain peut se faire tuer. Donc là par contre pour cette partie, les âmes sensibles, je vous conseille de sauter jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc là je vais expliquer du coup comment elles tuent en fait les animaux. En fait elles vont leur rentrer par leur orifice, donc la bouche, le nez, les oreilles, ce genre de choses. Et après de l'intérieur certaines vont couper les veines et d'autres vont creuser un peu à l'intérieur de l'animal jusqu'à arriver à son cerveau. Et elles vont bouffer son cerveau, un peu le découper et ressortir avec des morceaux, donc c'est assez dégueulasse. Et ça c'est comment, elles tuent en fait les animaux, et en plus il est conscient l'animal pendant qu'ils font ça, donc c'est assez voilà. Donc voilà comment elles vont se nourrir comme ça. Elles vont il va y avoir une autre colonne dans l'autre sens, enfin au sein même de la grande colonne, qui va amener toute la nourriture jusqu'au nid. Et une autre particularité, c'est que du coup elles n'ont pas vraiment de nid, en fait on appelle ça un bivouac, parce que elles n'ont pas un nid fixe. C'est en fait une sorte de grosse boule d'ouvrière avec au centre la reine. Et s'il y a quelque chose qui s'approche, l'extérieur de cette boule, elle est faite, c'est les têtes des ouvrières. Donc quelque chose qui essaie de le toucher, ça se fait mordre. Et du coup, pourquoi est-ce que elles sont mobiles un peu, pourquoi elles n'ont pas un nid fixe? C'est parce que elles se nourrissent tellement qu'en fait elles vont enlever toute la nourriture qu'il y a autour de leur périmètre. Donc après un mois, il faut qu'elles partent de cet endroit, donc elles vont se déplacer pendant à peu près une journée, je pense. Et pour trouver un nouvel endroit où il va y avoir la nourriture, elles vont réinstaller leur bivouac et elles vont recontinuer leur raid de chasse. Donc j'aime bien leur couleur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elles ont des formes assez particulières. Par exemple, je vous remontre la reine. Elle a du coup ce corps long, assez particulier, où on voit pas sur d'autres reines, comme une sorte de saucisse un peu. Et puis le thorax aussi est très 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 rond. Sa tête est très très petite avec des énormes yeux. Alors que les ouvrières ont par contre une grosse tête très large, très plate, assez compressée. Donc voilà, donc là donc on arrive à la fin. Si vous avez des questions sur certaines espèces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous auriez mis d'autres espèces, ou vous auriez, par rapport aux espèces que j'ai mis dans le truc, vous auriez dit celle-là elle aurait plus été en 3 qu'en 2, ou ce genre de choses, mettez-le aussi dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis là-dessus. Et donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, vous abonner, et on se retrouve dans un petit moment pour une nouvelle vidéo.